Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite à une vidéo que j'avais faite sur les produits terminés, j'avais un abonné qui semblait intéressé par un des produits qui étaient des produits de Marie Kay. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo sur les produits Marie Kay parce que j'en avais d'autres chez moi. Donc, Marie Kay, c'est une compagnie qui n'a pas de magasin. On doit commander les produits par Internet. On peut avoir une représentante qui vient à la maison nous expliquer les produits et pour nous les vendre aussi. Moi, je les ai eus sur eBay, les miens. Je vais vous donner le lien en barre d'infos. Cette compagnie-là existe depuis 1963, donc ça fait très longtemps que ça existe. À mon avis, c'est d'excellents produits. En passant, la visite de la représentante est gratuite. Moi, c'était ce qui était arrivé. Elle était venue puis elle m'avait présenté plein de produits. Puis je les avais essayés aussi. On peut faire aussi des représentations à une seule personne ou à des groupes de personnes. Donc, Marie Kay, c'est des produits soins, mais c'est aussi des produits de maquillage. On va commencer par le premier produit ici, qui se trouve à être le nettoyant 3 en 1. C'est un 127 g et c'est de la gamme TimeWise. Ça se trouve à être sous forme de gel crème blanche, qui est quand même assez épaisse. Puis à l'intérieur, il y a des minuscules grains bleus qui exfolient. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je sais pas si on va voir les grains bleus. Donc c'est comme ça, on voit les petits grains bleus. Je sais pas si on les voit à la caméra. Donc c'est les petits grains qui exfolient. Et ces petits grains-là sont minuscules. Hein? C'est pas une exfoliation qui est rude. C'est vraiment très, très doux. Puis on peut l'utiliser aussi à tous les jours. Ça a une odeur qui est neutre, presque inexistante. Donc ça fait trois choses. C'est ça qui est le fun, c'est que ça nettoie, ça exfolie et ça rafraîchit la peau. Puis ça laisse la peau super lisse, très, très douce et fraîche. Puis ils disent que c'est pour tous les types de peau. Et ça convient aussi aux peaux sensibles. Ça a été testé en clinique contre l'irritation cutanée et les allergies. Donc, c'est vraiment un super bon produit. Moi, je l'ai adoré. C'est sans parfum, c'est sans comédogène. On peut l'appliquer sur le visage et le cou, puis ensuite, il faut rincer à l'eau tiède. Et il faut faire suivre d'un hydratant. Pour enlever le maquillage sur les yeux, il faut utiliser le démaquillant sans huile pour les yeux avant le nettoyage 3 en 1. Puis ça s'enlève très, très facilement. Ensuite, j'ai ici le masque qui s'appelle le masque teint uniforme qui est vendu 26 $ pour un 85 g. C'est un masque qui est épais et qui est blanc. Il s'étend super facilement. Et même si c'est un masque qui est épais, il s'enlève très facilement. Il est fait pour les peaux sèches à grasse, il est sans huile ni parfum et il est non comédogène. C'est une formule qui est légère et apaisante qui laisse sur la peau une sensation douce et hydratée. C'est infusé d'extrait de plantes, donc c'est idéal pour les peaux ternes et fatiguées qui ont besoin d'un coup d'éclat. Ils disent de l'appliquer sur le visage et le cou en évitant la région des yeux et les lèvres. Il faut laisser agir de 10 à 15 minutes, puis il ne séchera pas complètement. Ensuite, il faut le rincer, puis on peut l'utiliser de 2 à 3 fois par semaine. Ils disent de ne pas l'utiliser sur une peau irritée. Ils ont fait un test sur 10 jours et 90% ont dit que leur peau paraissait aussitôt éclaircie. 95% ont dit que leur peau était plus douce et 90% sentaient leur peau bien hydratée. Moi, personnellement, je l'ai adoré, celui-là aussi. D'ailleurs, j'aime tous les produits Marie Kay. Donc, comme je vous disais, c'est très, très épais. Et ça fait comme une sorte de crème blanche. Comme prochain produit, on a cette petite boîte-là ici, qui se trouve à être le masque apaisant pour les yeux. C'est un 11 g.
J'ai pas trouvé le prix sur le site, mais je sais qu'ils ont un gel apaisant pour les yeux à 22 $ qui ressemble sensiblement à celui-là. C'est fait pour tous les types de peau, c'est sans fragrance, c'est testé par des dermatologues et il faut l'utiliser comme un masque. Après le nettoyage, il faut l'appliquer généreusement sous l'arcade sourcilière et sous l'œil. Après 5 à 10 minutes, on le retire avec une débarbouillette fraîche et humide. On peut l'utiliser aussi comme soin pré-couleur, donc en mettre une petite couche, le laisser sécher 1 à 2 minutes avant d'appliquer d'autres produits. C'est un gel qui est apaisant aux extraits de substances botaniques. Ça tonifie et ça raffermit le pourtour des yeux tout en atténuant le gonflement. Moi, j'ai adoré ce produit-là. Je trouve que ça faisait une sensation de fraîcheur autour des yeux. D'ailleurs, il ne m'en reste pas beaucoup. Je vous montre et le packaging est vraiment très, très classe. Le couvert, il est or avec la typographie aussi. Quand on l'ouvre, on voit le gel bleu transparent à l'intérieur. Donc, il n'en reste pas beaucoup. Et c'est vraiment le fun à utiliser comme produit. Les deux prochains produits, ils vont ensemble. Dans le fond, c'est un ensemble de microdermabrasions. En fait, en français, ils appellent ça l'abrasion microdermique. Donc, ça, c'est le produit d'étape 1 de la microdermabrasion. C'est de la gamme TimeWise aussi. C'est un 70 grammes. Et l'étape 1, bien, ils appellent ça l'étape de l'affinement. Dans le fond, c'est une crème blanche avec des petits grains qui sont très, très fins. L'ensemble des deux produits, ça se vend 60 $. Donc, c'est pas donné, mais je vous dis, c'est un ensemble qui vaut vraiment la peine. C'est de la bonne qualité. Ces deux produits-là, c'est pour peau sèche à grasse. C'est sans huile ni parfum et ça améliore visiblement la texture et l'apparence de la peau pour créer un teint impeccable. Une seule application atténue aussitôt l'aspect des ridules et diminue celui des pores. Donc, la façon de l'utiliser, il faut appliquer du bout des doigts une petite quantité après le nettoyage de la peau. Il faut rincer à fond à l'eau tiède et sécher en tapotant. Ensuite, on doit passer à l'étape 2. Dans le fond, c'est comme une exfoliation, mais plus en profondeur. L'étape 2, c'est ce produit-là. C'est écrit d'ailleurs sur la bouteille étape 1, étape 2, pour pas qu'on se trompe. Donc, dans le fond, l'étape 2, ça se trouve à être un sérum. C'est le sérum qui est comme appliqué après l'étape 1. Il faut éviter la région des yeux et de la bouche et il ne faut pas utiliser sur une peau qui est irritée. Donc, l'étape 2, c'est l'étape de la régénération. C'est un 29 ml et ça convient à tous les types de peau. C'est un gel qui est rosé. Donc, comme je disais, c'est un sérum et c'est très, très doux quand on l'applique. J'aime beaucoup l'ensemble microdermabrasion de Marie Kay. La différence entre l'exfoliation et la microdermabrasion, c'est que l'exfoliation, le grain est carré, tandis que la microdermabrasion, le grain est en forme de triangle. Sur le site de Marie Kay, il y a une nouveauté qui s'appelle Métamorphose virtuelle. Donc, vous avez juste à télécharger une de vos photos. Puis ensuite, vous pouvez mettre le fond de teint que vous voulez, le fard à joues, fard à paupières. En fait, il y a un maquillage complet avec le maquillage de Marie Kay. Puis vous voyez directement sur votre photo qu'est-ce que ça donne. Il y a même des cheveux qu'on peut rajouter par-dessus la photo. Il y a des accessoires à cheveux. Puis si on clique sur « Ce que je porte », bien, il y a une liste des produits Marie Kay. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller essayer ça, même si je trouvais que c'était très amusant de voir de quoi qu'on pouvait avoir l'air avec tel ou tel maquillage. Des fois, on n'ose pas l'acheter, mais là-dessus, on voit les teintes de couleurs qui nous font bien. Je trouvais ça intéressant. C'est tout pour la vidéo sur Marie Kay. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur les produits de cette gamme-là. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye!